Y'all know what this is. Oh yeah. This is who we are. Hello world, c'est Aurel et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo news pour vous parler de ma chaîne, de ce qui se passe, de ce qui va se passer, de ce qui s'est passé. Et puis tout d'abord je vais commencer par parler de du Let's Play Cube World. Alors j'ai une mauvaise nouvelle. Il va être en pause pendant 3 semaines tout simplement parce que Gopix9 Adri part en vacances de semaine et juste après je pars une semaine également, enfin une semaine 10 jours hein, plus ou moins. Donc il va être en le let's play va être en pause pendant au moins 3 semaines, donc je suis vraiment désolé. Il me reste quand même une vidéo de réserve que je publierai la semaine prochaine. Je sais même pas quel jour on est le 30, on est le mardi et donc mardi. Donc je pense que normalement l'upload de demain, je pense peut-être, mercredi. Et donc voilà, désolé. Donc là je suis en train d'upload Natural Section 2, la découverte de Natural Section 2. Également, autre nouveauté, le Let's Play Minecraft. J'avais dit que je ferais peut-être un Let's Play dessus. Bonne nouvelle, ça va se faire. Je vous avais dit qu'il y aurait des mods, il y aura des mods. Je vous avais dit qu'il y aurait un texture pack ou en 1.6.2 et un ressource pack, il y en aura un. J'ai dit qu'il y aurait peut-être des shaders, c'était pas sûr. J'essaye en ce moment de mettre des shaders. Apparemment, je croyais qu'il fallait mettre le Magic Launcher. Apparemment, c'est pas obligatoire, donc il y aura peut-être des shaders. Ça m'a l'air bien parti, il faut juste que je peaufine un petit peu plus les shaders. Mais l'autre problème pour l'instant, enfin j'ai deux petits problèmes, c'est que comme les shaders et les mods, il n'y en a pas beaucoup vu que la 1.6.2 est sortie récemment. Et je m'approvisionne uniquement sur Minecraft France pour l'instant. Parce que tous les autres sites qu'on trouve au début de page Google, hein, si je tape mod Minecraft 1.6.2, bon on a modminecraft.fr, bon ça c'est ça va encore hein. Bien sûr j'ai pas non plus leur craché à la tronche, mais par exemple Minecraft DL, il y avait un autre également là, on le voit pas, ça dépend de ce qu'on tape. 8 Minecraft, il y a également Minecraft 9, un truc dans le genre, enfin bon voilà, c'est il y a des sites qui vous proposent 1.5.2 transformé en 1.6.2 alors que c'est totalement merdique, pourtant c'est parmi les plus téléchargés. Enfin bon, je me réfère qu'à Minecraft France et pour l'instant il n'y a pas grand chose. Si on va dessus, Minecraft France. Mais voilà, donc pour le texture pack, j'ai cherché également. J'avais commencé sur notre ancien Mac à faire un texture pack mélangé, mais c'était pour un 5.2 et en plus le Mac a cramé. Oui, c'est pas une blague. C'est pas ce que je voulais. Oui, donc je disais, il a cramé, on a eu des soucis, on a un nouveau Mac, mais bon, j'ai laissé tomber. À la place, j'ai un autre texture pack déjà tout fait, donc voilà. Si je vais dans mode, oui, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bon, ok, hein, y en a déjà un petit peu beaucoup. 19, 20, 21 et c'est tout. Ouais, voilà, 21. Donc, il y en a 21, mais il y a énormément de trucs qui m'intéressent pas du tout, hein. Je prends ce qui va être intéressant pour moi, pour le gameplay surtout. Donc j'ai pris Inventory Twix par exemple. Ça j'ai pas pris. Mais
Il y a beaucoup de trucs pas intéressants. Ça, je n'ai pas pris. J'ai hésité, mais j'ai pas pris. Ça, je l'ai pris par contre. Parce que c'est assez intéressant. Backpack, j'ai hésité, mais je l'ai pas pris. Des crafts, ça gâche un peu du gameplay, donc j'ai pas pris. Pas pris. Bibliocraft, j'ai pris par contre. J'ai trouvé super intéressant. Hunger Games, ça a pas d'intérêt. Matmos, j'ai testé. Il y a trop de bruit un peu trop fort. Ou des fois, c'est pas si réaliste que ça. PVP, on s'en fiche littéralement. Cap, non. De toute façon, ça c'est plus pour le multi. Présence Footsteps. J'ai hésité aussi un petit peu moins quand même, hésité, mais non. Carpenter Block, j'ai pas trop vu utilité. The Mister Fury of, alors j'ai regardé celui-là, il me paraissait assez intéressant, mais bon, je n'ai pas pris, c'était pas un petit peu trop de choses. Alors plus d'aliments, j'ai regardé, ça rajoute des centaines d'aliments, à plus savoir quoi en faire. Morsoil, j'ai regardé, c'est assez sympa, mais bon, ça fait pas non plus genre des coffres et des étagères ou autre, ça fait surtout des coffres forts à tire-larigot, donc bon, on s'en fiche. Optifine, je l'ai pris, mais pas ici, il me semble. Morbose, je l'ai pris également, Morbose, parce que c'était plutôt intéressant. Enfin voilà, donc pour le Let's Play Minecraft, il n'y aura pas de problème. J'attends encore une semaine ou deux le temps que qu'il y ait plus de mods et que les shaders y aient moins de problèmes. Également, autre nouveauté, ah oui. Important, maintenant j'ai donc un nouveau logo, pour ceux qui l'auraient vu. Nouveau logo qui est également ici. Un nouveau logo et je vais faire de nouvelles intros ainsi qu'une nouvelle vidéo de présentation de ma chaîne parce que celle-là était avec l'ancien PC. J'étais pas trop concentré, pardon, concentré sur le jeu. Parce que comme je vous l'ai dit, je n'arrive pas à me concentrer à la fois sur un jeu et sur un sujet complètement différent du jeu. Il faut que je me concentre sur l'un des deux seulement. Donc une nouvelle présentation de chaîne bien meilleure. Plus courte, je sais pas combien de temps elle dure celle-là. Ouais, 2 minutes, ça va encore. Également, donc oui, des nouvelles intros, plein de petites nouvelles intros, dont une que vous avez pu voir au début de la vidéo. Donc il y en a pareil, plusieurs, il y en a quatre pour chaque mot. C'est où? C'est ici. Donc si je vous montre, donc ça c'est celle de simple. Donc voilà, et j'ai fait pareil pour Let's Play. Alors, vous l'avez peut-être pas remarqué ou peut-être que si, mais il n'y a pas la petite virgule parce que j'ai mis à ras du sol dans Cinema 4D et malheureusement, voilà, ça gêne. Mais c'est pas grave, donc tutoriel, découverte, news. J'en ai fait des petits, je me suis un petit peu amusé. Donc voilà, donc. Une intro différente selon les vidéos. Là, on voit Let's Play qui s'avance, on voit la virgule hein, ici. Enfin, virgule, le petit bâton en dessous. Et pareil, donc je vais pas vous montrer les autres. Alors, comme vous aurez pu peut-être le voir, il y a également. Du coup, je vais le rouvrir. Il y a bien sûr Let's Play pour Cube World et Minecraft. Découverte pour tout ce qui est pour la playlist Play and Replay. Les news, bah, c'est celle que vous avez vue. Et tutoriel. Oui, tutoriel, pourquoi? Parce que j'ai décidé de me lancer dans les vidéos sur le bureau, comme vous pouvez le voir. Je suis sur mon bureau, non pas sur un jeu, donc pour le coup je n'utilise pas Fraps. Mais voilà, donc j'utilise pas Fraps et il y aura des tutoriels qui vont sur plusieurs sujets. D'abord des tutos pour craquer des logiciels et des jeux.
dont j'en ai déjà préparé quelques-uns là. Également quoi? Également, oui, excusez-moi, des tutos pour installer des mods sur Minecraft. Je pense que ça pourrait être sympa. Il y aura également des tutos pour créer un serveur sur Minecraft et sur Cube World. C'est quasiment pareil, c'est pareil au même. Il y a quelques trucs différents vu que c'est selon le jeu, quoi. Donc, je vous montrerai comment faire avec Hamachi. Sans Hamachi, non, vu que j'ai pas accès à la box, vu que je n'ai que 15 ans. Et également des tutos pour utiliser les logiciels Cinema 4D et Sony Vegas Pro 11. Et donc ce sera également les deux logiciels que je vais vous montrer comment craquer. Donc deux logiciels qui sont très sympas, que je commence à plutôt bien manier. Enfin, Sony Vegas Pro 11, ça fait quand même un petit moment là. Mais Cinema 4D, comme vous pouvez le voir, je commence à un petit peu mieux le gérer. Et je ferai sûrement aussi des petites vidéos avec des logos différents ou des intros différentes. Et peut-être que par la suite, je vous proposerai de vous faire une intro ou un logo. Pourquoi pas, ça pourrait être sympa. C'est pas encore à l'ordre du jour, mais d'ici que je sois rentré de vacances, c'est-à-dire dans 3 semaines. Donc pour la fin août, ça devrait pouvoir se mettre en place. Je pense que ça pourrait être sympa. Ça me rapprocherait un petit peu plus de vous. Mais voilà. Donc voilà, la bonne nouvelle, c'est vraiment les tutos et le let's play Minecraft. Désolé pour le let's play Cube World qui est en pause. Mais voilà. Pas d'autres vidéos à l'ordre du jour, à part du play and replay un peu par-ci par-là. Donc pas de vidéo avec Gopix9 pour 3 semaines. Hein. Vraiment désolé, vous ne me verrez pas avec lui. Mais c'est pas grave. Donc voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo news. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un j'aime à cette vidéo. Ça fait toujours plaisir. Si vous le souhaitez, vous pouvez également partager la vidéo et la commenter si vous avez des suggestions ou des idées ou tout ce que vous voulez. N'oubliez pas également de me suivre sur Twitter. Twitter car j'ai vraiment toute l'actualité hein, dessus. Si je vais là, vous voyez, hein, je suis actif. C'est dessus, je l'avais dit à l'avance, une nouvelle vidéo de présentation de chaîne, plus nouvelle intro avec un S, vidéo news, tout ça dans quelques jours. Donc voilà. À savoir les news, les vidéos, l'intro, pardon. Je me suis penché dessus hier. Hier, j'ai tout fait. Surtout dans l'après-midi. Le logo, je l'ai commencé grandement hier soir et j'ai fini ce matin. Et la vidéo, je vais essayer de l'upload peut-être en même temps que Natural Section 2. Je sais pas du tout. Peut-être pas. J'espère surtout qu'il aura fini parce que vous voyez, 344 minutes, il est qu'à 28%, c'est l'infini. Donc voilà. Donc allez sur mon Twitter, vous aurez l'activité. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bah, le play and replay, mais ce sera tuto, hein. Pour moi ce sera tuto. À la prochaine pour une prochaine vidéo tuto pour craquer. On va commencer par Sony Vegas Pro 11, allez. Et sur ce, je vous dis ciao tout le monde.